Voilà, vous allez bien ? Ça va, c'est la forme ? Nous voulons aussi saluer nos frères et sœurs qui sont sur Internet, il ne faut pas les oublier. Ils sont là semaine après semaine et nous voulons vous dire combien on vous aime, combien vous êtes sur nos cœurs et on prie aussi pour vous et on voit régulièrement des messages. Et merci pour vos pensées, merci pour vos petits commentaires dessous. Nous pensons vraiment à vous et on sait qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir dans certaines églises. Parfois, mobilité réduite et certains sont en longue distance, loin de tout. Et nous savons que derrière et au travers des prédications, vous recevez aussi quelque chose et nous recevons au travers de vos visites. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, je vais vous apporter une introduction à ce que nous allons apporter tout au long de l'année. Vous partagez quelque chose qui est très important. La série qu'on va aborder toute cette année, c'est « Oser aimer ». Oser aimer. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est « S'investir dans sa famille ». Je pense qu'il est important d'investir dans la famille. Pour ceux qui sont célibataires, c'est l'occasion de récupérer certaines informations pour votre futur et vous permettre de voir un petit peu comment on doit évoluer dans notre vie avec Dieu. Je voudrais introduire ces moments par une phrase qui m'a particulièrement touché. Elle dit ceci, « Avant de te marier, tu es à la recherche d'un trésor, avant de te marier. Mais une fois marié, tu dois protéger ce trésor. » Il n'y a pas d'amen. Bon, je vais répéter peut-être que il n'y a pas eu de retour. Ils ne sont pas d'accord. Avant de te marier, tu es à la recherche d'un trésor. Une fois marié, tu dois protéger ce trésor. Ah, ça va mieux. Ouf. Alors, on peut continuer. Je crois qu'il est important de protéger ce que Dieu nous a donné. On le prie tellement, on le supplie tellement, on le demande tellement au Seigneur que quand nous avons la personne qui nous correspond, nous avons besoin de la protéger, nous avons besoin d'en prendre soin. Et je lisais un texte, un échange d'une personne dont le couple est dans le sport. Tous les deux sont dans le sport puisqu'ils font tous les deux le marathon. Alors pour vous dire, ils s'investissent énormément, énormément dans le sport. Ils se mettent à fond là-dedans. Ils sont à plein temps là-dedans. Et je peux vous dire que quand vous faites des triathlons, vous n'avez pas beaucoup de temps pour la famille. Mais lui a dit et a confessé au effort le jour de son mariage, il a dit à sa femme, le plus important, c'est nous. Et je pense que le plus important, c'est nous. C'est toi avec ton conjoint, toi avec ton épouse, avec ton époux. La famille est le ciment de la société. On le dit souvent, mais aujourd'hui, la société, elle préfère complètement briser ce ciment. Mais nous croyons que la famille, c'est la clé de voûte de la civilisation. La famille, c'est le noyau de l'humanité. Vous enlevez la famille, tout pète. Tout pète. On ne peut pas, je dirais, avoir une vie sans famille parce que nous sommes tous issus d'une famille. Alors la famille, c'est ce ciment, cette voûte, ce noyau. Il faut savoir que le mariage est le fondement de la famille. Le mariage, c'est quelque chose qui est ô combien important. Une famille en bonne santé, c'est une église en bonne santé. Parce que le diable fera tout pour casser l'église, il va passer par le foyer, la famille, il va casser la famille pour casser l'église. Il va casser les noyaux pour déstabiliser l'église. Et malheureusement, on s'aperçoit que dans les églises, avec un grand E, que dans ces églises, il y a de plus en plus de divorces. Il faut savoir qu'il y a autant de divorces dans l'église aujourd'hui que dans le monde. C'est-à-dire qu'on a tellement négligé ce côté famille qu'on en a perdu tout le sens. Toute sa valeur, toute sa richesse. Alors une famille en bonne santé, c'est une église en bonne santé. Et dans le psaume 127, verset 1er, un verset qui nous dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Fernand, est-ce que tu peux me mettre la clim, s'il te plaît? Parce qu'il fait chaud. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est très important que ce soit lui qui viennent bâtir ce que le Seigneur a permis qu'on puisse joindre ensemble l'un à l'autre. Il a dit, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Une autre version dit, si l'Éternel le bâtit le foyer. Une autre version, la famille. S'il ne bâtit pas, tu es déjà disqualifié. Tu vas dire oui devant le maire, mais devant Dieu, tu es déjà disqualifié. Et c'est là où c'est important d'être d'accord, tous les deux, dans notre engagement avec son conjoint. Je donne souvent l'exemple du triangle. Le triangle, c'est l'époux en bas, l'époux en haut, vous avez Dieu ici. Plus vous approchez de Dieu, qui est là, et plus vous approchez l'un de l'autre.
S'il y a un des deux qui s'éloigne de Dieu, vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Et ça, c'est très simple, mais tellement difficile parfois à comprendre. Et nous avons besoin vraiment de réaliser que bâtir, ça commence par soi. Là, on n'en parle pas tout, on n'en parle pas souvent de ça. On parle souvent du couple, de la famille, du foyer. Mais il faut savoir qu'avant de penser couple, avant de penser famille, nous avons besoin de penser d'abord à soi. Je dirais, pour un petit peu vous provoquer, pensez d'abord à vous, soyez égoïste. Un temps, j'ai bien un temps. Très important. Une famille, c'est tout d'abord un couple, ça c'est sûr. Mais chaque individualité doit s'aligner avec Dieu pour être aligné avec son conjoint. Je ne peux pas m'aligner avec mon conjoint et mon épouse, avec Isabelle, si au départ, au préalable, je ne suis pas aligné avec mon divin. Et on va remarquer que souvent dans les problèmes de couple, c'est qu'il y en a un des deux qui s'est éloigné du divin ou qui n'a pas pris conscience de la portée du divin dans sa propre vie. Forcément, il va y avoir des répercussions dans son couple parce que tout est divin pour ce qui est divin, tout est spirituel pour ceux qui sont spirituels. Alors, dans une vie de couple, avant de penser famille, il faut d'abord penser couple et avant de penser couple, il faut penser à l'individualité, à chacun d'entre nous, c'est-à-dire à toi et à moi. C'est primordial dans notre vie de couple. Très important, c'est un investissement personnel. Tu dois t'investir. Tu dois vraiment, je dirais, prendre ce temps pour ton couple. Pour penser famille, il faut d'abord penser à soi. Pour aimer sa famille, il faut d'abord s'aimer soi-même. Aïe, 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 aïe. Et oui. On fait des préparations de couple, sur l'Ogne maintenant, nous l'avons fait ici, maintenant c'est Pierre qui le fait, mais nous avons fait des préparations de couple et nous en faisons. On dit préparation de couple et pas préparation de mariage. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important, c'est pas le mariage en lui-même, c'est le couple. Et dans la préparation de couple, on a un programme qui s'appelle investir dans le futur en brisant le passé. L'important, c'est d'identifier les problèmes du passé pour entrer dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de couples qui se rentrent avec des blessures du passé. Tellement de couples qui ont été cassés, brisés dans le passé par toutes sortes d'abus, toutes sortes de violences, toutes sortes de traumatismes. Et ils essayent de trouver dans l'amour peut-être à combler un mal-être. Mais l'estime de soi qui est brisée, cassée, détruite. Ils rentrent dans leur vie, je dirais, de mariage, dans leur vie de couple, heureux, joyeux, un temps. Parce que l'amour est venu un petit peu, comment dirais-je, atténuer, apaiser cette douleur, ce trop mal-être. Et puis, une fois qu'on est rentré dans le quotidien, boum, ça ressort. Au bout de combien ? Un an ? Deux ans ? Trois ans ? Cinq ans plus ? Dans les statistiques, on a souvent trouvé que dans les cinq premières années, c'est là où le taux de divorce était le plus élevé. Parce qu'on n'avait pas réglé le passé. Et notre responsabilité, c'est d'abord régler le passé avant de rentrer dans le futur. Il faut se confronter à soi-même. S'aimer soi-même, c'est ça. Je ne peux pas demander à mon conjoint de m'aimer si je ne m'aime pas. Mais trop souvent, c'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on demande et on cherche de l'amour à l'extérieur. Mais pour recevoir, il faut d'abord donner. Mais si tu reçois, tu reçois, tu reçois, et c'est là où on rentre dans un thème qu'on va aborder dans le courant de l'année, c'est l'orgueil, et l'orgueil et sa personnalité humaine, c'est tout ce qui est orgueil et égocentrisme. Parce qu'il y a trop de chrétiens, il y a trop de couples qui regardent d'abord à eux parce qu'ils sont tellement mal qu'ils ont besoin de satisfaire une douleur, d'apaiser une douleur, de que les gens autour d'eux puissent les aimer parce qu'eux n'arrivent pas à aimer. Et c'est là le problème. Je ne peux pas demander à mon conjoint de m'aimer si je ne m'aime pas. Investir dans sa famille, c'est d'abord investir dans sa propre vie. Ça, vous ne l'entendrez pas souvent, mais pourtant, c'est vrai. Investir dans sa propre vie, c'est accepter qui je suis, d'abord. C'est aimer qui je suis. Et si tu ne t'aimes pas, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. C'est que peut-être on appuie sur un bouton qui fait mal. On appuie peut-être sur une douleur qui fait mal, sur une plaie
qui est là, il y a un pus, ça ne se voit pas. Vous savez, ça vous est arrivé déjà d'avoir du pus à l'intérieur, mais au-dessus, sur la peau, mais c'est lisse. Pourquoi ? Parce que ça s'est cicatrisé sous le pus, ou sur le pus plutôt. Et vous appuyez, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une incision et sortir le pus. Et combien de gens ont recouvert leur passé avec toutes sortes de peaux pour essayer de cacher ou essayer de cacher quelque chose. Et on fait avec. On fait avec. Non, on ne fait pas avec. Parce que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses doivent devenir nouvelles. Et ça passe, c'est pas que dans la conversion, c'est aussi dans notre cœur. Parce qu'il faut penser à l'autre. L'autre n'a pas le droit de subir tes souffrances. Ça vous va ? N'a pas le droit. Pas le droit de subir ce que tu vis. Alors, prendre soin de soi, c'est avant tout quelque chose de capital. Être en accord avec soi d'abord, parce que pour être en accord avec l'autre, il faut qu'on soit d'accord avec nous-mêmes. Être en paix avec soi-même. Être, savoir se respecter, savoir se valoriser. Et le summum, accepter de se pardonner. Tu ne peux pas demander à Dieu de te pardonner et toi de te disqualifier. Pas possible. Dans ces cas-là, tu annules le pardon de Dieu sur ta vie. Et je vais beaucoup plus loin. Tu disqualifies même la croix sur ta vie. Ça va très loin. Vous imaginez, répercussions sur le foyer. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre cela. Si je ne m'occupe pas de moi, alors qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est le moi qui va dominer sur mon foyer. Le moi, c'est quoi le moi ? Le moi, c'est l'égocentrisme, l'égoïsme, l'isolement, et j'en passe. Et il y a tellement de foyers qui souffrent de ça, tellement de foyers qui souffrent du fait que son conjoint est égoïste, il pense qu'à lui, il pense qu'à sa vie, il pense qu'à ce qu'il est, il est égocentrique, il voit que travers de son cœur, on a besoin de l'aimer, mais lui ne peut pas aimer. Enfin, il y a toutes sortes de bazar, c'est-à-dire que le moi prend le dessus. Au lieu de s'occuper de lui, lui est au centre de tout. Et même les enfants, dans tout ça, ils sont un peu oubliés. Je ne peux pas demander à l'autre de m'aimer si je ne m'aime pas, je le répète. Je ne peux pas demander à l'autre de me pardonner si je ne me pardonne pas. Et puis, je ne peux pas m'accorder avec mon conjoint si je ne m'accorde pas avec moi-même. On a besoin d'accorder nos violons. D'accord ? Vous avez deux instruments, si vous voulez que ces deux, vous prenez deux guitares. Prenez deux. Bon, je ne suis pas trop musicien, moi, j'avoue que là... Si je me trompe, s'il y a un guitariste au milieu de nous, dis-moi que là, je suis à côté de la plaque. Mais si vous avez deux guitares, vous jouez ensemble, mais qu'une des deux est désaccordée, vous allez de suite le sentir, de suite l'entendre. Ça ne colle pas. Entre instruments, ici, ils s'accordent tous. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un bug, comme on dit. Alors, si dans ton couple, tu ne t'accordes pas, à un moment donné, il va y avoir un bug. Il va y avoir quelque chose qui va clocher. On ne comprend pas, mais on sent à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la conversation, dans les échanges, dans le partage, dans ce qu'ils sont. Alors vous voyez, je n'ai pas besoin de persuader Dieu de travailler en moi, j'ai juste besoin d'arrêter d'interférer. Il faut que tu arrêtes d'interférer et que tu laisses Dieu agir dans ta vie, que tu laisses le Seigneur agir dans ton cœur. Pour construire un futur solide dans ton foyer. Et il n'y a pas d'âge pour construire un futur dans notre vie de couple. Même si tu es engagé depuis 20, 30, 40 ans dans ta vie de couple, je dirais, c'est jamais trop tard avec Dieu de bien faire dans ta vie de couple. J'ai vu des couples qui ont été cassés, brisés pendant 20 ans de vie commune. Et à un moment donné, ils ont confronté leur situation. On les a aidés, on les a accompagnés, mais ils ont laissé Dieu agir au plus profond de leur cœur. Et le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire après 20 ans de vie commune. C'est jamais trop tard pour bien faire. C'est jamais trop tard de reconstruire. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Tu dois briser ce passé pour construire un futur. S'investir dans sa famille, c'est d'abord investir en soi. Alors moi, je vais investir en moi. Et je m'occupe, vous savez que je m'occupe beaucoup de moi pour m'occuper de ma famille. C'est très important, parce que je sais que ça va permettre un équilibre dans mon foyer. Dieu ne cherche pas uniquement des croyants ici, dans ce lieu. Il cherche des amoureux.
des amoureux, des gens qui aiment son conjoint. Il y a un feu qui brûle. Dieu ne cherche pas un couple, il cherche des passionnés, l'un envers l'autre. Je suis toujours émerveillé quand je vois des couples qui ont plusieurs années, qui ont 20 ou 30 ans de vie commune, qui sont à l'âge de la retraite depuis belle lurette et qui arrivent à l'église main à main. Waouh ! Quelle claque pour cette société. Quel exemple qu'ils nous donnent de la passion qui est là dans leur vie. L'amoureux est plus aiguisé que le croyant lambda. Amoureux de Jésus, certes, pour être amoureux de son conjoint, pour avoir cette passion qui brûle en nous. L'amour de Dieu établit son identité en nous. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, que tu t'occupes de Dieu, que Dieu s'occupe de toi et que tu laisses le Seigneur travailler en toi, il va mettre son identité en toi. Et c'est comme ça que tu vas te reconnaître. C'est comme ça que Dieu va agir en profondeur dans ta vie. Son amour fait de nous ce que nous sommes. Et il va travailler, il va enlever tous les scories qui ne vont pas. Le Seigneur va enlever tout ce qui a été, je dirais, tes blessures, tes souffrances et tout cela. La grâce de Dieu va agir et tu vas découvrir ta vraie identité et tu sauras pourquoi tu aimes. Tu ne vas pas aimer seulement pour recevoir, mais surtout et avant tout pour donner. Et ça, c'est très important. Investir dans sa famille ne veut pas dire investir dans une entreprise. Quand bien même, on pourrait avoir une entreprise, et c'est très important, il faut, de toute façon, avoir des ambitions. Vous allez voir où je vais en venir. Investir dans sa famille ne veut pas dire investir dans une activité individuelle, seulement. Investir même dans l'Église. Et oui, même investir dans l'Église. Si tu sers l'Église, ok, mais si tu te sers de l'Église, ça ne va plus. Et j'ai parfois vu des couples, ils étaient tellement mal entre eux que l'un des deux qui était mal fuyait en servant dans l'église. L'église était une échappatoire pour fuir les tensions dans le couple, pour fuir même ses propres souffrances. Et on ne peut pas se servir de l'église pour ça. L'église n'est pas un refuge pour essayer de combler un mal-être. C'est parce qu'on est bien qu'on peut servir le Seigneur, par le contraire. Quand bien même, parfois, on a des problèmes tout en servant le Seigneur. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Et ça, c'est très important de réaliser qu'investir dans sa famille ne veut pas dire investir dans une activité sportive pour fuir on ne sait pas trop quoi, pour évacuer on ne sait pas trop quoi non plus. Investir dans sa famille, c'est se donner pour sa famille. Avant tout, il y a des priorités. La priorité, c'est Dieu. Ensuite vient la famille. C'est-à-dire son couple, disons son couple, ses enfants, sa famille, l'église, les amis. En bas, vous pouvez un petit peu interverser, vous faites ce que vous voulez, en haut, non négociable. Parfois, il y en a qui mettent Dieu, juste après de l'église, très important, c'est qu'une grande mission, sauf que l'église, c'est toi et ton couple, c'est ton foyer, c'est ta famille avant tout. C'est l'église qui vient ici dans ce lieu pour célébrer Jésus. L'église, à la fin du culte, va rentrer chez eux, à la maison. Avec mon épouse, à la maison, je suis l'église. Tu comprends ce que je veux dire, là ? Ça bouscule peut-être certains. Je comprends. Mais le plus important, c'est ça. C'est le socle. Comprenez bien que c'est le socle de l'humanité. Le couple est quelque chose de primordial, parce que tu es bien dans ton couple que tu viendras et que l'église sera célébrée, elle sera en bonne santé. Alors, l'important, c'est ça. Pour cela, nous devons nous poser quelques questions. La question que tu dois même te poser, c'est se demander ce que nous voulons faire de notre vie ensemble. Peut-être se mettre sur le canapé, tous les deux, partager, réfléchir. Et ça, on peut le faire régulièrement. Avec Isabelle, on le fait régulièrement. Savoir où on veut aller, quel va être notre futur et comment on voit notre futur. Ensemble. Mais c'est très important de faire un peu le point entre nous, ne pas baisser la tête, ne pas mettre la tête dans le sable comme l'autruche. En avançant, on verra bien ce qui va arriver. Non, pas du tout, tu ne peux pas. Le couple que nous formons, me plaît-il vraiment?
Est-ce que tu es satisfait de ton couple? Il faut se poser la question. Parce que si tu n'es pas satisfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour qu'on soit satisfait l'un et l'autre? C'est très important, c'est capital. Est-ce que c'est le couple de mes rêves? Est-ce que c'était celui que j'avais rêvé, pensé, imaginé quand j'étais célibataire? Et si ce n'est pas celui-là, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Qu'est-ce que pourrait faire mon conjoint pour qu'il soit justement ce couple de rêves? Parce qu'on a quand même affaire à un Dieu parfait. Or, si Dieu est parfait, il est capable de rendre un couple parfait. Même si on est imparfait, vous comprenez bien. Vous vous rappelez de la précédence? Soyez donc parfait comme moi, le Père, l'Éternel, je suis parfait. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Est-ce que je crois en mon couple? Alors, si je crois en mon couple, et si je n'ai pas forcément le couple de ses rêves, je vais y travailler pour qu'on vraiment puisse avancer. Alors, investir dans mon couple, oui, mais à quel pourcentage? Est-ce que je suis prêt à investir, mais de combien de pourcents? Je vais investir sur 10%, 30%, 60%, 90%, 100%? Quel va être le pourcentage d'investissement dans mon couple? Pour que je puisse le rendre selon ce qu'il y a sur mon cœur. Et vous savez, ça fait penser à quelque chose, et là, ça va être aussi une suite à mes prédications tout au long de l'année. Une question se pose, être impliqué ou engagé? Ça fera partie des conférences. Impliquer ou s'engager dans le couple? Juste un petit détail comme ça, pour éveiller un petit peu votre appétit. S'impliquer, c'est mettre beaucoup de soi-même dans une relation. Beaucoup de soi-même. Ça, on s'implique. Beaucoup de chrétiens s'impliquent, beaucoup de gens s'impliquent. C'est très bien. Mais s'engager, c'est se donner entièrement. C'est-à-dire qu'il est très important de savoir est-ce que tu veux t'impliquer ou t'engager dans ton couple. En fonction de ça, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. L'engagement total est une condition vitale pour une famille solide. Ça fait partie de qui nous sommes, de ce qu'on veut vraiment dans ma vie de couple. Est-ce qu'on veut se battre pour le meilleur dans mon couple? Ça va avoir forcément des répercussions sur mes enfants, des répercussions sur ma famille, et le témoignage rendu peut-être à mes parents inconvertis. Vous voyez? Alors, je vais vous dire une chose. C'est l'écrivain William Arthur Ward qui a écrit ceci. Écoutez bien. Je ferai plus qu'être là, je participerai. Je ferai plus que participer, je participerai avec bonté. Je ferai plus que compatir, j'aiderai. Je ferai plus que croire, je pratiquerai. Je ferai plus que pardonner, j'oublierai. Je ferai plus que rêver, je travaillerai. Je ferai plus qu'enseigner, j'inspirerai. Je ferai plus qu'apprendre, je compléterai. Je ferai plus que donner, je servirai. Je ferai plus que grandir, je ferai plus que souffrir, je triompherai. Et ça, c'est le couple. C'est-à-dire que dans le couple, c'est toujours faire plus pour l'autre. Le premier investissement est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je vais vous dire par expérience que c'est 90% des solutions d'un couple qui est au bord de l'explosion. 90% des solutions se retrouvent dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Je vous ai dit tout à l'heure, on se rappelle du triangle? D'accord? C'est bon pour vous? Ça va? On se rappelle du triangle? C'est très important ça. C'est pour ça que dans Genèse 2:24, c'est un texte qu'on prend souvent pour le mariage. Et il est très, très fort. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Dans le texte réel, c'est fusion. C'est pour ça que je ne peux pas me marier avec n'importe qui et faire n'importe quoi. Et que vraiment, il faut que mon conjoint soit au diapason et soit connecté aussi avec le divin. Très, très important. C'est une fusion de deux personnes. L'investissement se fait à deux. C'est-à-dire, on ne pense plus solo, mais on pense duo. On ne pense plus perso, mais on pense ensemble. On va même beaucoup plus loin. Je ne pense plus je, mais nous. Et ça, dans tous les domaines. C'est plus je, c'est nous, ensemble. Ça va même au niveau des finances. C'est plus mon argent, c'est notre argent. Partage tout. C'est un investissement total parce qu'on devient une seule chair. L'égoïsme, c'est le deuxième motif de divorce en France, au top 10. Deuxième. Pour ça qu'on parlera de l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans.
Dans la vie à deux, il ne s'agit pas de faire comme moi je pense, mais plutôt de parvenir à une pensée commune. Je ne suis pas là pour gagner. Je ne suis pas là pour dire à mon conjoint, j'ai raison. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où j'ai raison, dans cette position, j'ai déjà tort. Parce que la pensée, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. La pensée, c'est d'avoir une pensée commune. C'est vraiment de tomber d'accord ensemble sur quelque chose. Il n'y a pas de vainqueur et de perdant. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Non, dans une vie de couple, c'est une vie ensemble, de duo. Je ne suis pas là à être supérieur à mon conjoint, puisqu'on est, on devient une seule chair. On fait un dans le Seigneur. Et ça, c'est très important. Vous comprenez qu'il faut investir dans son conjoint, dans ses enfants. Ça, c'est un autre sujet. Je ne peux pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. C'est juste une introduction. Dans le dialogue, dans l'échange. Investir dans les tâches quotidiennes, tous les deux. Hein, d'accord ? Investir dans le temps de qualité, ensemble. Savoir prendre du temps ensemble, investir dans le financier, forcément. Enfin, oui, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de terrains sur lesquels on peut vraiment investir ensemble. Investir, c'est remplir l'impossible pour le rendre possible. Et ça, dans la vie de couple, c'est possible. Vous le croyez ? Ça vous va ? Rien ni personne ne doit interférer dans le couple. Rien, à part Dieu. Je ne peux pas rentrer dans le schéma qu'on applique dans la préparation de couple, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais juste soulever. C'est comme si vous étiez un cercle, et il y a plusieurs cercles qui tournent autour de différents cercles. Et là, vous êtes le couple. Là, vous avez les enfants. Dans l'autre cercle, vous avez la famille. Dans l'autre cercle, l'église et les amis. Bon, bref. À aucun moment, il faut que la famille transperce l'intimité du couple, sauf autorisation du couple. Il n'y a que Dieu, parce que Dieu est au centre. Il y a combien de foyers en crise aujourd'hui à cause des interférences extérieures que certains subissent, que ce soit financières, spirituelles, que ce soit au niveau de certains projets, que d'autres s'occupent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais nous avons besoin de devenir complices avec son conjoint. Avec Isabelle, on est hyper complices. Hyper complices. Il n'y a rien ni personne qui peut interférer entre nous, même pas les enfants. Même les enfants, ils le disent souvent, ils disent bah, « vous êtes toujours d'accord tous les deux ». Ils ne peuvent pas en prendre l'un pour essayer de disqualifier l'autre. Ça ne s'est jamais arrivé. Quand l'un disait « non, tu ne vas pas le faire, ça, je te interdis, il va aller voir papa ou maman pour voir s'il pouvait avoir l'autorisation ». Il dit « qu'est-ce qu'il a dit, papa ?» Il a dit ça, « eh bien ok, c'est comme ça ». On a toujours fait en sorte à ce que rien ne vienne se mettre, s'immiscer au milieu, sauf Dieu. Et les gens qui devaient s'immiscer au milieu, les enfants ou la famille, c'était l'autorisation commune. Je ne rentrerai pas dans le sujet parce que je peux aller encore très loin. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Investir, c'est être vulnérable l'un envers l'autre. Être vulnérable. Être authentique. Ce qu'on demande de l'autre, c'est de l'authenticité. Ce n'est pas paraître, c'est être. Parce que le héros, c'est Dieu. Ce n'est pas son conjoint, qu'il soit homme-femme. En tant qu'hommes, nous sommes responsables. Nous devons assumer notre foyer, mais nous devons être vulnérables à notre épouse. Vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. C'est parce que c'est pas ça, vulnérabilité. C'est être authentique. C'est être vrai. C'est être vraiment libéré de tout cela. Investir, c'est s'exposer, être authentique et vrai, parce que la vérité, c'est l'amour qui s'exprime. C'est ça, la vérité. Et nous le retrouvons dans les Écritures. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si la vérité est au milieu de nous, alors Christ est au milieu du couple. Ça vous va ? J'ai presque terminé. Ecclésiaste 4:12. La corde à trois fils ne rompt pas facilement. Et c'est pour cela qu'il est très important que dans une vie de couple, nous soyons tous les deux connectés et que nous soyons d'accord avec au milieu une personne qui est là, que nous avons décidé d'inviter dans notre vie de couple, c'est Jésus. Et c'est lui qui dicte notre futur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est lui le boss. On dit souvent, mais Dieu est au contrôle. Oui, c'est pas que des mots, ça. Et c'est pas que quand tout va bien, parfois quand tout va mal. Ou parfois quand il y a des turbulences dans un couple.
Non pas que parce qu'entre eux, ça ne va pas, c'est parce qu'il y a des situations qui font que la maladie et autres viennent, je dirais, troubler aussi, de perturber. Le boss, c'est Dieu. Et c'est parfois dans ces moments de turbulence qu'on voit la solidité d'un couple. Savoir si ce sont les bonnes fondations ou pas, ou si c'est fondé sur de l'argile, du chaume, du foin. C'est très important de travailler à cela. Et il faut qu'à la base, tu aies travaillé sur toi. On revient au début de mon message. Alors, je vais terminer. Quelques principes d'investissement pour votre épouse. Messieurs, écoutez bien. Ne jamais oublier la date d'anniversaire de votre de mariage. Là, vous perdez beaucoup, vous payez cher. Mettez ça sur un texto, mettez ça sur je ne sais pas où. Voilà, mais si vous oubliez, il faut vraiment marquer ça autrement, vous n'êtes pas bien. Demandez leur avis et la plus belle preuve d'amour à votre épouse. Eh oui, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire et bien souvent, elles sont silencieuses, mais les idées, je trouve très souvent les idées chez mon épouse. De toute façon, en général, quand il y a des projets, quand il y a des choses, on partage tout le temps parce que je veux avoir sa pensée, je veux savoir ce qu'elle en pense, comment elle voit les choses. Et beaucoup de finesse, beaucoup de justesse dans la pensée, dans la réflexion de mon épouse. Faites passer vos projets et vos loisirs après votre compagne. On parlait des priorités tout à l'heure. Et ça, c'est très important. N'attendez pas une occasion particulière pour lui offrir un cadeau. Moi, les fêtes particulières, la Saint-Valentin, ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est une date programmée. Voilà, on dit voilà, c'est à partir de ce jour-là qu'il faut aimer. Après, lendemain ou avant, tant pis, on oublie. Je préfère un peu de spontanéité, de fraîcheur, de liberté. J'ai pas besoin d'attendre cette date pour lui offrir des fleurs. Vous êtes d'accord avec moi? J'entends que les dames. Les frères, vous passerez à mon bureau tout à l'heure. Occupez-vous des enfants, laissez-lui faire une bonne grâce matinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Une bonne grâce matinée, si bien sûr vous pouvez la faire, forcément. Montrez-lui que vous tenez à passer du temps avec elle. Et ça, c'est très important. Il y a un temps pour toutes choses, frères et sœurs. Un temps pour toutes choses. Et je pense que ce temps-là est un temps important que nous devons tenir et que nous devons avoir des principes dans notre vie de couple pour vraiment les maintenir, parce qu'au départ, on a de bonnes intentions et puis après, ça s'étiole, ça s'effiloche. Au départ, on est tout feu, tout flamme, on est amoureux, et on en fait même peut-être en surdose et puis après, ça s'effiloche. Soyons plus sages, mais que ça dure dans le temps. Maintenant, je vais terminer avec quelques principes d'investissement pour votre mari, chère sœur. Montrez-lui que vous lui faites confiance en toutes circonstances. Bon, il faut qu'il vous prouve aussi la confiance, certes, je comprends. Mais faites-lui confiance, parce qu'un homme a besoin de se sentir en confiance auprès de son foyer, de sa famille. Parfois, y a des choses où on n'ose pas s'exprimer, on reste un petit peu timoré, mais je pense qu'il est important de pouvoir lui exprimer cela. Laissez-lui une certaine liberté auprès de ses amis et dans ses loisirs aussi. Vous savez qu'un homme a besoin d'avoir son temps à part. Il a besoin de se retrouver tout seul. Pas qu'il en a marre de son conjoint, non, pas du tout. Mais il a son temps, son temps de solitude, entre guillemets. Et moi, je l'utilise quand je fais du vélo. Pour moi, le fait de faire du vélo, me retrouver, à rouler, être seul, je me fais du bien, et je recharge mes batteries, j'aime bien me retrouver comme ça, seul avec Dieu, et puis évacuer peut-être le trop-plein de stress du ministère, des enjeux qui sont là, ça fait du bien. Et je sais que Isabelle sait très bien que j'ai besoin de ce temps-là. Et je reviens beaucoup plus fort pour elle et pour mon foyer. C'est bon d'y penser. Le soutenir dans son travail, dans ses projets. Soyez fiers de lui. Parlez de votre homme en bien. Comme, messieurs, parlez de votre conjoint en bien. Devant les amis, devant les proches. Il faut valoriser. Je prends la culture de l'honneur. Très important. C'est primordial. Jamais humilier son conjoint devant les amis ou à table. Si le repas il a été un peu trop grillé, le dire entre vous deux, en huis clos. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui rigolent, ça. C'est oups. C'est très important. Ça, c'est très important. Quelques principes d'investissement pour votre mari.
Oui, soyez fiers de lui. Pardonnez, parlez de votre homme en bien. Habillez-vous à son goût. Ça, c'est un échange. C'est au travers du partage. Et je terminerai. Une preuve d'amour classique est l'envoi de textos réguliers, des SMS, un petit mot. Tu es là, tu pars la journée, tu envoies un petit mot à ton époux. Tu dis, chérie, je t'aime, je pense à toi. Je fais ça régulièrement. Là, tout à l'heure, à la fin du culte, je vais envoyer un petit mot à Isabelle. Ça va, ça s'est bien passé ton culte? Je t'aime fort, à ce soir. C'est bon? Ça vous va? Alors je terminerai, quand nos paroles et nos actes prennent racine dans le cœur de Dieu, les paroles coulent à flot et l'amour fait la différence. Allez, je répète et on termine avec ça. Quand nos paroles et nos actes prennent racine dans le cœur de Dieu, les paroles coulent à flot et l'amour fait toujours la différence. On courbe nos fronts quelques instants. Jésus, alléluia, gloire à toi Seigneur. Jésus, Manu. Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Je vais prendre juste 2 minutes avec vous ce matin dans le recueillement. Oser aimer, je dirais même savoir aimer. Je crois qu'il est important de pouvoir confronter cela. Parce que l'amour et la vie de couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On a nos caractères. On a nos talents, on a nos points forts, nos points faibles, on a nos hauts, nos bas. On n'est pas un couple parfait avec Isabelle, mais on fait tout pour le rendre parfait en Christ. On se donne les moyens. On veut investir dans notre vie de couple. Et nous avons besoin d'investir dans notre vie de couple. L'investissement, ce n'est pas que le début au début de notre vie commune. C'est tout au long de la vie, entretenir ce que Dieu a permis que puissions nous retrouver. Entretenir qui nous sommes en Christ. Et faire en sorte à savoir ce que veut son conjoint pour lui faire plaisir. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette grâce. Pour cela, il faut aller au début de ce que j'ai partagé. Se confronter soi-même. Se confronter. Peut-être même dire à ton conjoint ce qui ne va pas. Il ne sera pas là pour te juger, non, au contraire. Savoir être vulnérable pour réaliser qu'il y a des points faibles, qu'il y a peut-être des scories, il y a peut-être toutes sortes de choses qui nous a fragilisés. Et que nous vous avons voulu passer, oublier pour, en croyant que ça allait mieux. Que ça irait mieux. Mais ça n'a pas été le cas. Alors investir dans son couple, c'est investir en soi-même d'abord, dans notre vie. J'ai simplement voulu vous partager cette introduction à toutes sortes de sujets qui vont être apportés tout au long de l'année. Parce que nous avons vraiment besoin de rentrer dans notre vie de couple en confrontant peut-être certains obstacles. Parce que le diable, lui, s'est lancé un défi, c'est de détruire ton couple. Il s'est lancé un défi, c'est de te briser, de briser ton couple. Afin qu'il y ait des répercussions sur tes enfants, sur ta famille, sur ton foyer. Mais on ne va pas le permettre. On va vraiment demander au Seigneur d'agir en profondeur. À toi qui t'es senti peut-être concerné au travers de tout ce que j'ai dit, pour toi-même, pour ton couple, pour ton foyer, pour ta famille. Peut-être que tout est OK aujourd'hui, je dis Amen. Et que le Seigneur puisse renforcer les bases qui sont en toi. Et peut-être qu'il y en a aujourd'hui au milieu de nous qui ont besoin peut-être de réajuster, de réaccorder leur violon, de réajuster peut-être leur vie. Alors pour tout ça, s'il y en a qui se sentent concernés, je vous inviterai à vous lever à votre place. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais tellement m'associer à vous et
vous à moi, et vraiment on apporte tout cela au Seigneur. Que le Seigneur vienne agir en profondeur. Que le Seigneur vienne se manifester, que tu confrontes ceux qui te confrontent aujourd'hui. Ne permets plus à l'adversaire de te confronter sur ceux qui te confrontent, mais confronte-le pour l'éliminer de ta vie. Que le Seigneur fasse une œuvre en profondeur, une œuvre de puissance en toi, dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Plusieurs se sont levées. Toi qui es ici dans ce lieu, fais-le simplement. Je comprends que ça demande du courage, mais ça vaut tellement, tellement le coup de pouvoir vraiment confronter cela et demander au Seigneur d'agir sur nos vies, sur nos cœurs, d'agir au plus profond de nos âmes. Alléluia. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur Jésus, ce matin. Touche au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes dans le recueillement, alors que nous sommes là devant Dieu, devant le Seigneur, je vais demander à notre frère, M. Boulagnon, de prier pour vous. Je vais lui laisser le micro et il va faire une prière collective. Croyant que Dieu veut agir en profondeur et avec autorité sur votre vie. Et je sais une chose, c'est que le meilleur est devant vous. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a promis. Il aime le couple. Pour ça qu'il a dit, tu quitteras ton père et ta mère. C'est une démarche volontaire. Et tous les deux, vous allez devenir une fusion. Une seule chair. Connectée, reconnectée. Et ça, c'est très important. Alors, je vais laisser notre frère, M. Boulagnon, à prier pour vous. Et on va intercéder ensemble, on va se joindre à sa prière. Nous prions. Père Saint, nous te sommes reconnaissants d'avoir créé l'homme et la femme. Et même si tu as créé des différences entre eux, tu as aussi créé l'unité entre eux. Merci parce que en Christ, nous avons tout pleinement, c'est vrai. Mais Seigneur, tu nous formes et nous transformes au cours de notre vie et tu nous apprends à aimer et à nous aimer les uns les autres et l'un l'autre. Père Saint, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir vivre en commune union avec toi d'abord et en commune union l'un avec l'autre quand nous sommes mariés devant toi. Père, je te prie aussi de préparer les cœurs de ceux qui désirent devenir un couple sérieux devant toi. Je te demande, Seigneur, d'étendre tes mains sur chacun d'entre eux, de les préparer à leur rencontre interne et externe. Et permets aussi, Seigneur, qu'ils se rendent compte, comme l'a rappelé notre frère tout à l'heure, qu'au centre de ce triangle, c'est toi qui domines et que plus nous approchons de toi, plus nous approchons l'un de l'autre. Bénis ceux qui sont peut-être en désarroi par rapport à leur couple. Étends sur eux tes mains bénissantes et guérissantes. Tu es le seul capable de guérir en profondeur nos cœurs. Et nous te demandons cette grâce pour tous ceux qui maintenant aujourd'hui même, ont des problèmes de couple. Étends tes mains sur eux, fais-leur du bien et réanime en eux la foi en Christ. Parce que si nous évacuons le Christ, plus rien de solide ne peut se bâtir. Aide-nous, Seigneur, à bâtir avec toi de plus en plus et à garder dans le fond de nos cœurs la certitude que nous sommes en marche vers l'éternité, l'un avec l'autre et les uns avec les autres. Et cela pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort ?